Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test. Un crash test que j'aurais dû vous faire bien avant, mais je ne l'avais pas reçu. Hein. C'est la Lipmon Sleep Bag du mois de décembre. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Hein. Donc normalement c'est une box que j'aurais dû recevoir donc là courant décembre. Donc c'était resté bloqué visiblement au niveau de la douane. Enfin il y avait une grève là-bas. J'ai pas tout suivi, donc je croyais vraiment pas la recevoir. Je leur ai envoyé un mail donc là cette semaine. Ils m'ont indiqué qu'ils allaient m'en renvoyer une. Et là par miracle, celle d'origine m'a quand même été livrée donc aujourd'hui. Donc on va voir ça. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est pas l'enveloppe métallique qu'on reçoit d'habitude. Donc on va voir ça ensemble. Ouais, ça ressemble pas trop. Alors à moins que ce ne soit pas celle de décembre. Bah si, normalement. Bon, bizarre. Normalement, elle n'était pas... Enfin, c'était pas cette pochette-ci. Bon bref, donc la Lipmon Sleep Bag donc, du mois de décembre hein, normalement, donc qui est rose avec des pois blancs. J'ai vu les versions américaines et la version américaine donc c'était une pochette bleue avec des dessins d'immeubles américains blancs. Donc on va voir ça. Alors oui, donc c'est bien la bonne, hein, c'est bien la Lipmon Sleep Bag donc de décembre. Donc comme d'hab, hein, le petit menu avec donc les différents produits hein, avec donc leur prix. Donc bon, on va piocher le premier. Donc le premier produit est un produit de la marque Be a Bombshell. C'est marqué Lip Crayon couleur Versailles. Donc c'est un crayon d'une valeur de 16$. Bon, c'est un crayon hein. Jumbo, donc qui est comme ceci. Donc au niveau de la couleur, ça a l'air d'être un rose, rose comme ceci. Je me rapproche. Donc un joli rose, un joli rose. J'aime bien ce type de produit, je trouve ça très pratique. Pour moi, c'est entre un baume et un rouge à lèvres, hein. mais j'aime beaucoup. Voilà, donc un crayon d'une valeur de 16$. A savoir que normalement chaque bague, je ne sais même plus combien ça coûte, mais il me semble que ça doit être 12 ou 13$, quelque chose comme ça. Je vous avais mis les tarifs hein, dans la précédente vidéo, hein. Je vous les remettrai de toute manière en barre d'infos hein, pour les tarifs d'abonnement. Donc ça, le crayon donc 16$ de la marque Be a Bombshell. Ensuite... donc on va prendre ça. Donc ça c'est un rouge à lèvres je pense, à voir le packaging. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque de la marque Mimimi rouge à lèvres donc qui vaut 15€. Là au niveau de la teinte, c'est pas noté la référence. Alors, donc c'est comme ceci. Donc le rouge à lèvres, le packaging est super joli. Est super joli. Ça, et donc c'est la couleur 6, la couleur rubis, qui est en rouge. Un très beau rouge. Un très beau rouge. J'adore ça, les rouges rouges. Non, il est vraiment très joli. J'adore le packaging. Donc un rouge rubis. Valeur donc 15$. Ensuite. Donc nous avons un produit. Un produit donc que je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Tout est marqué en anglais hein, évidemment, donc j'essaye de traduire. Ouais, ça doit être ça. Par contre je ne sais pas trop à quoi ça correspond, on va regarder l'autre hein. Donc ça, nous avons un blush de la marque donc Ikari, blush couleur Tango.
un blush en couleur Tango qui a l'air d'être un joli rose. Oui. Rose super flashy. Bon, très joli. Hein. Donc un blush de la marque Ikari, oui c'est ça. Valeur donc 15$. Et donc le dernier. Bah ouais, ça me paraît bizarre, mais bon. Donc il marque que c'est une crème blush. Evelyn Lona Lip Chic Tint, valeur de 22$, mais ça me paraît bizarre. Donc ça serait comme ça, mais bon. Non, là je pense qu'il y a dû avoir un bug hein, dans le truc. Je regarderai donc les autres versions hein, sur internet, mais à mon avis, ça souvent, enfin j'avais déjà eu un produit comme ça dans l'autre box, et c'était un échantillon, enfin quelque chose en plus. Donc soit il manque un produit, soit il y a un problème, mais... Donc je verrai ça. Hein. Donc me revoilà. Hein. Enfin voilà, je venais de monter la vidéo, hein, enfin de filmer, et je me suis dit non, je peux pas monter la vidéo sans avoir regardé le contenu, enfin revoir le contenu dans les autres box. Et non, il n'y a pas de bug. Ce petit produit, hein, c'est bien le bon produit. Donc je trouve ça un petit peu abusé. Hein. Donc ce produit donc de la marque H. Alors d'ailleurs ils se sont probablement plantés hein, je pense dans le programme, mais ils nous proposent donc un produit de la marque Evelyn Lona Lip Check Tint, valeur 22$. Et là sur le produit bah, c'est pas trop marqué ça. Bah si Evelyn Lona, enfin c'est marqué en micro, mais bon 22$ pour ça, enfin ça me paraît super abusé. Alors je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me commander ça parce que vraiment là je suis un peu choquée. Pour moi c'est format échantillon. Je vois pas autrement. Donc voilà. Bref, petit aparté terminé. Voilà, donc bah, j'espère qu'elle vous a plu. Hein. Puis bah, je vous dis à très très vite, donc la cour en janvier hein, pour vous faire donc un autre crash test pour cette box. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.